Hello, welcome to another B2A from business to audience, thanks to the Creative Europe Media Scaleria and Media Catalunya. The Berlinale will begin on February 10th with the inaugural film Peter von Kant, a free revisitation of Fassbinder by the filmmaker Francois Ozon. Ainoa González, in charge of Medios Calería and myself, thought it would be a good idea to take advantage of the recent premiere of Everything Went Fine with Sophie Marceau and André Bussolier in order to talk with Francois Ozon, who came to the Spanish premiere thanks to Golem, his Spanish distributor in Spain. Media has supported so many films for Golem distribution and almost the whole Francois Ozon's filmography. Let's remember Francois Ozon and his media films. Under the Sand, co production between Belgium, France, Italy, and Japan, made it in 2001. The Swimming Pool, in 2002. Eight Women, a great musical, made as well in 2002. Time to Leave, in 2005. Angel, historical one, in 2006. Ricky, with our Catalan actor Sergi Lopez, made it in 2008. The Refugee, made by France and Italy, in 2009. Potiche, with the great Catherine Deneuve, made in 2010. In the House, a in Donosti in 2012. Young and Beautiful in 2013. The New Girlfriend, made in 2014. France, co production between France and Germany in 2016. The Double Lover in 2017. By the Grace of God, made in 2019, co production between France and Belgium. Summer '85 in 2020, and finally, everything went fine. In 2021, we were able to talk with him about everything went fine, and also about the media program. Well, hello. What? When? when he woke up. Papa couldn't get up, and he had all his right side paralyzed. My daughter, your father risks not be able to speak. Je veux que tu aies Tu m'entends Je vais rien à faire sans toi, sans ton accord, rien. De toute façon, c'est à toi qui l'a demandé. C'est un mauvais père. Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme ami. Alors aide-le, comme une amie. En France, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait J'ai contact avec une association suisse, mais euh, il faudrait aller là-bas. Très bien. Mmh. Ça se passera où À Berne. Il faudra me donner une dose forte. Depuis mon pontage, j'ai le cœur très solide. J'ai été mon fils préféré. Ah, ah, ah. Les filles, je suis très choquée. André nous ça expliquer qui pouvait plus changer d'avis. Quoi oh Mais si. Papa, regarde-nous dans les yeux. Mmh. Tu tellement vilaine, en fond. On pourrait choisir la date. Pourquoi pas en mars C'est la semaine de mon anniversaire. Oh. Je veux presque plus bouger. Plus faire les gestes sains de la vie normale. Maman, pourquoi est-ce que t'as jamais quitté papa avec tout ce qu'il t'a fait subir Qu'est-ce que ça fait du bien Ouais, mais t'es toute frigorifiée Ah, no, mais je me sens vivante. Tu te rends compte ce qu'on est en train de faire pour lui Pas de prouesse. Et si faut fusillé, que se passerait-il <sighs> Do you think that your film, far from being controversial, is really a celebration of life and love pour moi, ce qui était important, ce n'était pas de faire un film sur l'euthanasie, mais de faire un film sur la vie. Euh, et le, le paradoxe de cette histoire, c'est que c'est l'histoire d'un homme qui aime tellement la vie qu'il veut mourir. Euh, c'est ça qui m'a touché dans cette histoire. Et ce que j'ai aimé, c'est que le personnage d'André... Il veut mourir et euh, il n'est pas une victime. Enfin, bien sûr, il est une victime euh, de l'AVC, mais en même temps, il prend son destin en main, il fait un choix et il veut aller au bout de son idée. Et ce qui était intéressant dans cette histoire, c'était la confrontation avec la famille, avec les enfants, et qu'est-ce que ça représente pour les enfants d'avoir un père comme ça qui, qui, qui a ce désir aussi fort et qui n'est pas particulièrement sympathique. Moi, c'est ça que j'aimais. Il est assez noir, il est assez sombre, il a beaucoup d'humour euh, il y a quelque chose d'un peu espagnol, d'ailleurs, je trouve, par rapport à l'idée de la mort, qu'ont pas forcément les Français. D'ailleurs, à un moment, on parle de Buñuel dans le film. Et, euh, et moi, c'est ça que j'ai aimé dans cette histoire. C'est que finalement, c'était pas un film sur la mort, mais un film sur la vie, qui célèbre la vie par paradoxalement. How difficult was it to adapt the story of everything Went fine from a real story about someone so close to you, as it is the case of the late Emmanuel Bernheim, screenwriter in your films, Ricky Under the Sand and the Swimming Pool? Alors, l'histoire avec Emmanuel, c'est une très longue histoire, puisqu'on s'est rencontré au moment où j'ai fait Sous le Sable avec Charles Trampling. Elle m'a aidé à écrire le scénario, notamment toute la seconde partie euh, euh, du film. Et après ça, on est devenus amis. Donc, on a collaboré à nouveau sur d'autres films, dont Swimming Pool. Et, euh, et quand son livre est sorti, euh, quelques années après la mort de, de son père, elle m'a envoyé le livre. Elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de l'adapter? Parce qu'il y avait plein de réalisateurs français qui voulaient l'adapter. Et elle, elle, elle voulait que ce soit moi et j'ai lu le livre que j'ai trouvé très beau mais c'était une histoire tellement personnelle intime que je voyais pas comment me l'approprier je me disais mais quelle est ma place moi dans cette histoire donc euh, je lui ai dit, écoute je suis sûr que ça a été un très bon film et puis j'avais peur j'avais peur du sujet l'euthanasie euh, voilà j'avais pas envie de penser à ça en fait à ce moment-là de ma vie et donc je lui ai dit, écoute euh, j'ai pas envie de le faire pour l'instant peut-être un jour et donc d'autres réalisateurs français s'y sont intéressés dont euh, Alain Cavalier euh, qui voulait en faire une adaptation et hélas, Emmanuel a eu un cancer foudroyant et elle est morte en 2017. Et, euh, et sa mort a été un choc pour tout le monde. Et après sa mort, j'ai eu envie de relire le livre pour euh, pour la retrouver d'une certaine manière. Et en relisant le livre, je l'ai vu. J'ai lu le livre avec une autre optique que la première fois, c'est-à-dire que le fait de savoir qu'Emmanuel était morte ça changeait complètement le regard sur cette histoire, et je me dis, je me suis dit, quel impact ça a dû avoir sur sa vie, voilà. Et c'est ça ce que raconte le film, ça, ça raconte que euh, les enfants ne sortent pas indemnes d'une telle situation quand c'est à eux de porter la mort de, de, de leurs parents. Et, euh, et du coup, là, j'ai eu envie, euh, et peut-être aussi parce que je suis beaucoup plus vieux, euh, voilà, la maturité fait que peut-être je m'approche <laughs> moi aussi de la fin. Donc je me suis dit peut-être que je, là, à ce moment-là, je suis prêt à, à faire l'adaptation. Almost since you started, you have always had the best possible cast: Catherine Deneuve, Isabelle Hupert, Fanny Ardant, Hannah Shigula, and Isabelle Adjani, among many others. And now, Sophie Marceau. What was it like to work with Sophie Marceau, and to be able to perform with someone as close to you as Emmanuel Benheim? Uh, C'est vrai que Sophie Marceau ne ressemble pas du tout à Emmanuel Bernheim physiquement, mais néanmoins, elles ont la même énergie, la même vitalité, et euh, sophie a le côté un peu garçon manqué aussi qu'avait euh, Emmanuel bernheim très sportive euh, très concrète c'est pas une intellectuelle c'est quelqu'un qui voilà qui est euh, qui, qui qui est dans l'action le, dans le, dans quoi dans le physique et donc j'avais l'intuition que ça marcherait et puis pour moi c'était important d'avoir une actrice comme sophie marceau qui est très populaire en france et pour rentrer dans cette histoire. Comme le sujet est difficile, je me disais, le fait d'avoir une actrice comme Sophie que tous les Français aiment, parce que c'est l'actrice préférée des Français, les gens allaient rentrer plus facilement dans l'histoire et mieux l'accepter et la comprendre. About the right to die with dignity. Should it be a right for everyone? Moi, ce qui m'a choqué dans cette histoire, quand j'ai fait une enquête et que j'ai vu comment ça se passait en France, je me suis rendu compte que, bon, déjà, c'était illégal, comme en Espagne, bon, on est deux pays très catholiques, donc la religion catholique est très présente et empêche euh, qu'il y ait euh, une ouverture d'esprit là-dessus, je pense. Et, euh, et ce qui m'a particulièrement choqué, c'est que je me suis rendu compte que des personnes pouvaient le faire si on avait de l'argent. Donc, il y avait une injustice économique en plus. Donc, à partir du moment où les choses peuvent se faire, il n'y a que les gens riches qui y ont accès il faudrait que la loi permette que ce soit accessible à tout le monde et que ce soit très encadré. Après, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il faut que ce soit euh, intégré dans un protocole médical très strict. Et je... Mais en fait, quand vous discutez avec les médecins, vous vous rendez compte qu'il y a très peu de gens qui veulent mourir. Euh, tout le monde s'accroche à la vie jusqu'à la fin. Il y a peut-être 10% des gens qui vont jusqu'au bout. Donc finalement, quand on regarde les pays qui ont accepté, qui ont légalisé l'euthanasie, il n'y a pas plus, il n'y a pas un surplus de mort sous forme de suicide assisté. Donc, euh, donc oui, j'espère que les choses vont changer en France et dans et dans les autres pays. Mais bon, je pense que c'est un long chemin encore. We ask him about three of his regular collaborators in his filmography. The first one, Charlotte Rampling. Charlotte, c'est une actrice que j'ai découvert aussi au moment de Sous le sable. Euh, le film que j'ai écrit avec Emmanuel Bernheim et d'ailleurs si euh, Charlotte a accepté de jouer dans Tous ses biens passés alors que c'était un tout petit rôle c'était par rapport à notre histoire avec Emmanuel Bernheim et par rapport à Sous sable parce que au début elle m'a dit c'est quand même un peu petit et puis après elle m'a dit bon je le fais parce que c'est Emmanuel et parce que c'est toi donc ça c'était très bien et euh, euh, Charlotte bah c'est devenue aussi une amie avec le temps on se retrouve régulièrement et euh, ce que j'ai découvert avec Jean Trampling au moment de Sous sable c'est que c'était une actrice N'y avait pas besoin de surjouer. Voilà, Il se passait des choses intérieurement, euh, il suffisait juste de la regarder pour, pour imaginer, pour faire fiction. Et ça, c'est ce que j'ai toujours trouvé intéressant avec elle en tant qu'actrice. The second one, the composer, Philippe Romby. Philippe Romby, bah, c'est un musicien avec qui j'ai commencé à travailler, je crois, pour Les Amants Criminels. On se retrouve régulièrement. Euh, là, il n'est pas sur euh, Tout s'est bien passé, ni sur le prochain, mais pour un prochain film on va se retrouver et c'est un musicien que, que j'aime beaucoup parce qu'il est très sensible il a le sens de la mélodie et ça c'est quelque chose d'assez rare et, euh, et c'est quelqu'un qui, euh, qui n'a pas d'ego qui dit pas je te donne la musique et tu changes rien non il adapte tout le temps on peut discuter avec lui on peut parler instrument on peut parler mélodie et donc c'est un travail très constructif and the third one his faithful spanish distributor golem ah, Golem. Alors Golem, bah oui, c'est mon distributeur depuis plusieurs années. Je m'entends très bien avec eux. À chaque fois, ils soutiennent bien mes films et ils les travaillent bien. Euh, donc, je suis très content de continuer avec eux. J'espère que ça va continuer. Media supports festivals with European programming. What has been the role of festivals in your career in order to reach a wider audience? Je crois que finalement. Euh, en tout cas, je pense que c'est pas avec mes films à Cannes que j'ai eu le plus de succès. Euh, le film qui a eu le plus de succès, c'est Huit Femmes. Il n'était pas à Cannes, il était à Berlin. Euh, dans la maison aussi, était un très gros succès et c'était euh, à Saint-Sébastien. Donc euh, voilà, j'ai eu la chance d'être sélectionné dans tous ces festivals. À chaque fois, c'est un plaisir. Et euh, après, je pense que c'est toujours plus compliqué pour les films français quand ils sont à Cannes. Voilà. Mais en même temps, euh, euh, un film comme Swimming Pool ou Jeune géolie ont très bien marché euh, après Cannes et c'est vrai que les festivals permettent après de toucher un très large public et beaucoup de pays en même temps donc c'est toujours une chance de pouvoir y participer. Audio films have circulated around Europe by media distribution and in Spain with Golem in the lead. theatrical or platform release? Pour moi, c'est très important de soutenir la salle aujourd'hui, et je continue à faire des films pour le cinéma. Et, euh, et je trouve que ce qui est très compliqué, c'est de voir des grands cinéastes comme Martin Scorsese, Jane Campion, euh, voilà, qui acceptent de travailler pour les plateformes. Et ça, je pense que ça fait beaucoup de mal au cinéma d'auteur et au cinéma d'auteur européen. Euh, alors, je comprends qu'ils aient des difficultés à faire leurs films dans leur pays, mais euh, euh, moi il me semble qu'il faut continuer à faire des films pour le cinéma et, et pour l'instant les plateformes c'est un peu vendre son âme au diable hein, parce que si les gens ne vont plus au cinéma, ne vont plus dans la salle, voilà, les gens vont regarder les films sur les téléphones et moi j'aime l'expérience de la salle et de partager le public avec euh, le film avec le public. The Media Programme has clear objectives for the industry regarding the circulation and promotion of European works. Do you think that this has been achieved? Oui, le, le programme média est très important pour le cinéma d'auteur en Europe, et c'est vrai qu'en France, le, le cinéma est considéré comme un art, et il y a beaucoup de soutien. Et euh, on espère que le, le mais le système euh, euh, de soutien en France est viable aussi économiquement. Euh, ça crée des richesses. C'est pas. Euh, ce n'est pas juste de l'argent qu'on donne aux artistes, c'est vraiment euh, un argent qui permet à des films de se faire et à faire en sorte qu'il y ait une vraie économie et une industrie du cinéma. Parce qu'on a eu un ministre de la Culture qui était très important sous, sous De Gaulle, euh, qui s'appelait Malraux et qui disait le cinéma, c'est un art et une industrie. Et je pense qu'en France, on marche sur les deux jambes. Et ce qui est dommage, c'est que dans d'autres pays européens, on sent qu'il y a un abandon de l'aspect artistique, on n'est que dans un aspect industriel et du coup, euh, le programme média peut être utile justement pour soutenir euh, certains cinémas européens et euh, faire en sorte que euh, les films européens circulent. Je pense que le cinéma européen euh, voilà est représentatif des pays. Donc il y a une culture qu'on qui, qui, qu peut découvrir à travers le cinéma européen et, et, et l'Europe, c'est plein de pays différents. Euh, voilà pour, pour les Américains, pour d'autres continents, l'Europe c'est un grand, euh, c'est un seul continent, mais en fait, non, il y a tellement de cultures différentes. Un film de Almodovar, un film de Bergman, un film de, de Nanni Moretti, euh, voilà, et c'est très très différent. Donc, à chaque fois, ils sont représentatifs de leur propre pays. Donc, euh, la richesse du cinéma européen, je pense qu'il faut, faut la soutenir. Et, euh, et euh, nous, on a la chance en France de voir beaucoup de films européens et voir d'autres films. Que, que, que les films français et les films américains. Median development. How important is for you the development period in your projects before going into production? Une question euh, particulière. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai la chance d'avoir des producteurs qui me soutiennent. J'ai la chance de faire des films qui ne sont pas trop chers. Donc souvent, je lance la production alors que le scénario n'est pas complètement terminé. Voilà, mais je suis pas représentatif. Voilà, c'est ma manière de travailler. Thank you so much. Merci beaucoup, Monsieur Ozon. Everything went fine with you. We wish you a lot of success at Berlinale, and we would like to invite you to go to the cinema to see everything went fine. On behalf of Ainoa Gonzalez from Medios Calería and our office, we would like to thank the entire Golem team that made this meeting possible, and Mathilde Ranje for her kind translation. Thank you.